faire un talon fesse. Je laisse bien le point fesse. Et j'essaie de descendre doucement. Quand je suis en bas, j'inspire profondément par l'abdomen et sur l'expire, je tire un peu le genou vers moi. Encore, par respiration, inspire profondément. Expire, tire le genou vers toi. Ne le lâche pas, ne laisse pas revenir en arrière. Encore une fois, inspire profondément. Et expire, tire le genou vers la poitrine. Parfait. Maintenant, inspire profondément vers l'abdomen. Expire, serre-toi de tes mains en appui sur ta cheville pour remonter le plus haut du corps. Le pied est en pointe, l'autre allongé est en flex. Inspire, quand je redescends, je relâche le corps. Et sur l'expire, mes mains se servent de ma cheville comme levier, je remonte en soufflant le plus haut possible. Très bien encore. Une dernière fois. Et excellent. Je repose le crâne au sol. Le pied allongé toujours en flex. Inspire, je le remonte. Expire, pointe. Et je fais tourner ma cheville. Un, deux. 5, 6, 7 et 8, et dans l'autre sens. 1, 6, 7, 8. Je peux faire toucher le coude gauche sur le sol pour maintenir un appui. Ça sera plus facile. Et je fais mes petits cercles. Inspire sur 3 petits cercles. Expire sur le 4e. Regardez bien votre pied, ça vous aide à faire des cercles jolis. Encore un. Puis je passe de l'autre sens. Toujours inspire, 3 petits cercles et expire un grand cercle. Dernier. Très bien. Tout doucement, je plie le pied, pointe, inspire. Expire, je pose au sol. Je pose aussi la jambe gauche. Et je vais me tourner sur le côté gauche. Et la suite. Je mets la main sous mon crâne. Le coude doit être aligné avec l'abdomen.
avant. J'allonge un petit peu plus la jambe du dessous. La jambe du dessus est en flex. La main passe par-dessus la taille et me sert d'appui pour maintenir tout mon corps. Toujours je regarde mon pied, ça m'aide à le diriger. Inspire, je monte, pied en flex, pointe bien vers le bas. Et expire, je redescends. Inspire, monte. Et expire, redescends. Inspire, monte. Et expire, redescends. Inspire, monte. Et expire, redescends. Inspire, monte. Expire, redescends. Encore deux fois. Parfait. Et une dernière fois. Très bien. Quand j'ai terminé, je plie les deux genoux. Toujours le coude aligné avec la hanche. Et doucement, je laisse le pied du dessus en flex. Et je fais tourner ma hanche. Inspire-moi. Expire qui me concerne. Et dans l'autre sens. Encore un cercle. Je peux dire ainsi. Puis, inspire, pointe vers le haut, regarde bien vers ton pied. Et symbole de l'infini. Vers le haut. Parfait, je finirai en bas et à l'horizontale. Très bien. Je plie la jambe, j'attrape le talon, je pose le genou sur l'épaule. Je pose un peu la main dessus. Et je récupère mon souffle. Puis, j'attrape mon talon. Je pousse le pied en arrière. La main passe. À l'autre main le pied, je pose le coude au sol. L'épaule ici me sert d'appui pour la jambe comme support. J'allonge bien en dessous. Inspire ici et expire, je tire bien. Pied en flex.
bien, je relâche tout doucement. Et je tends les jambes l'une sur l'autre, pied en flex. La main bien contre la taille pour supporter le corps. La main bien sous le crâne, le coude aligné. Inspire, je monte la jambe du dessus. Expire, la jambe du dessus descend, celle du dessous monte. Je reste. Respire. Tiens bon, reste. Très bien, je colle les deux talons ensemble. J'écarte. Respire. Respire. Puis les deux orteils ensemble. Respire. Respire. Parfait. Puis les deux genoux. La main qui est sous le crâne va attraper dessous le genou ici. Et le soulever, je suis sous une torsion. Je reste, je tourne mon visage. Ma main. Je tends bien le bras sur le genou. Et tout doucement, je ramène la main au bras qui s'écarte le grand frère. Et je repose les fessiers en place. Je me remets droite sur le tapis. De nouveau, j'enlace la même jambe. Côté gauche vers la poitrine. Les mains enlacent au niveau de la cheville. Inspire, je monte le pied droit normalement en pointe. Inspire, pointe. Et je m'assois. Et flex, j'enroule bien le crâne et je laisse bien le pied en flex. Et j'enchaîne. C'est pas grave. Tu ne toucheras pas, t'es fait. Encore un dernier. Exceptionnellement, je ne ferai pas l'autre côté puisqu'on fait la vidéo, je reviendrai dessus. Je mets en flex et je laisse descendre. Allez, on va enchaîner. Très bien. Tout doucement, je croise mes deux pieds. Voilà, c'est bien. J'engage les paumes de main au sol sur l'inspire et sur l'expire. Je m'avance de façon à pouvoir tendre le bras vers l'avant et tendre la jambe vers l'arrière, sans gêner qui que ce soit. Ça va? Les pieds restent proches. Les mains donc passent un peu plus vers l'avant, mais attention, pas trop. Si jamais pour certaines personnes l'exercice qui est crocheté est difficile, vous pouvez poser le pied à plat au sol, celui qui restera. D'accord? On va doucement. Très bien, je regarde bien devant moi. Inspire, je tends jambe gauche sur le souffle, en pointe. Et je regarde devant, on est d'accord, hein?
Expire, je tends bras droit sur le souffle. Trois respirations, inspire, expire, tends bien le pied en pointe, tends bien le pied en pointe. Puis, je regarde toujours devant moi, la main attrape le pied et se met la cheville, le pied se met en flex. Inspire ici, expire le pied, tire un peu vers l'arrière et je regarde bien le cou. Trois respirations. Puis, je ramène talon-fesse. Je fais attention que le genou à l'arrière monte bien. J'englobe tout mon pied, tous mes orteils. Trois respirations. Puis, ma main finit de faire le tour de ma cheville. Là. Et je regarde vers le haut. Inspire, expire, tire bien la jambe à l'arrière.